Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. On est toujours le 21 mai 2020, 11h36, heure du Québec, avec une histoire fantastique. C'est vraiment le cas de le dire, une histoire fantastique, qui relève du fantastique. Vous savez comment... C'est important de comprendre ce qui se passe dans l'espace. C'est important de comprendre nos origines aussi, comme il faut, et de comprendre peut-être aussi qu'il y a l'existence de d'autres dimensions, on semble voir ça, hein? D'autres formes de vie, lointaines ou moins lointaines, ou du centre de la Terre, je ne sais pas, mais il y a trop d'évidence, il y a trop de preuves par témoignage, il y a trop de preuves dans les écrits, il y a trop de preuves dans les monuments laissés, dans les accomplissements de ces grandes structures et constructions laissées par les découvertes scientifiques, par le fait que on semble avoir une race supérieure qui dirige cette planète-là. Je pense qu'on peut arriver à cette conclusion-là. Et c'est une histoire fantastique qui nous vient encore de la chaîne History. Je vais vous résumer leur petite capsule de 4-5 minutes concernant l'histoire suivante. J'ai trouvé un lien, un texte qui se rapporte à cet incident-là, qui remonte à 1984. On va aller voir ça ensemble. D'abord, le petit texte que j'ai, puis après ça, je vais vous résumer la vidéo en question, puis vous allez avoir le lien dans la boîte de description. Vous pourrez aller écouter la petite capsule de History là-dessus, qui est vraiment, vraiment... Est-ce qu'on a affaire à une autoroute, hein? Dans l'espace, une autoroute d'extraterrestres. Donc, on s'en va voir l'histoire des cosmonautes. Et des astronautes ont vu des anges dans l'espace. Ça nous aurait rapporté par FanWave. Ça a été publié le 11 mars 2019 par Luca Praderio. Qu'ont vraiment vu les cosmonautes russes et les astronautes américains dans l'espace au cours de ces dernières décennies? Selon certains rapports, ils ont vu ce que l'on appelle des anges de l'espace. Allons de l'avant, c'était en 1985, le programme spatial soviétique était à son apogée lorsqu'un événement inattendu s'est produit à la station spatiale Salyut 7, que les autorités ont décidé de ne pas mentionner. Un incident au Salyut 7 est resté secret. C'était le 155e jour de vol avec un équipage de 3 vétérans, Leonid Kazim, Oleg Atkov et Vladimir Solovyov, et 3 nouveaux invités, Igor Volk, Savitskaya et Dzanibekov. Programmé lorsqu'un grand nuage de gaz orange est apparu le long de la route, suivi par la station Salyut 7. Pendant que les cosmonautes essayaient de comprendre ce que cela pouvait être ainsi que le flight control au sol analysait le message reçu de la station, Salyut 7 entra dans le nuage. Pendant un instant, il sembla que le nuage orange avait pénétré la station orbitale et une lueur orange entoura chaque cosmonaute, les aveuglant et rendant impossible de voir ce qui se passait. La vision revint presque immédiatement, mais les cosmonautes qui regardaient par les hublots de la gare furent stupéfaits. De l'autre côté de la vitre, 7 splendides figures géantes apparurent dans le nuage de gaz orange. Puis pour les cosmonautes, cela ne faisait aucun doute. Dans l'espace devant eux apparaissaient des créatures de lumière, d'authentiques anges célestes, des espèces de créatures humanoïdes avec des grandes ailes. Ces êtres, illuminés, hein, semblaient différents des êtres humains normaux, non seulement à cause de leurs énormes ailes ou du halo éblouissant autour de leur tête, la principale différence était l'expression de leur visage. Ils nous ont souri, ont déclaré plus tard les cosmonautes, en déclarant ce n'était pas un sourire de bienvenue, mais un sourire de joie. Après une dizaine de minutes, les anges spatiaux qui accompagnaient la station Salyut 7 ont disparu avec le nuage orange, laissant dans l'esprit des cosmonautes une autre sensation inexplicable de perte et de désir. Lorsque les directeurs de vol ont lu le rapport de ce que les cosmonautes avaient vu, ils l'ont immédiatement enregistré comme « top secret », ordonnant aux cosmonautes eux-mêmes et au personnel médical qui les a suivis de ne pas mentionner l'incident. À l'époque, d'ailleurs, l'existence d'anges
n'était pas autorisé par l'idéologie communiste soviétique. Plus tard, après la chute du mur de Berlin à la fin de la guerre froide, il a été découvert que même certains astronautes américains ont rencontré à plusieurs reprises des anges dans l'espace, non seulement sur certaines photographies obtenues par le télescope spatial Hubble lors de l'étude de la galaxie NGG-3532, les capteurs Hubble auraient détecté l'apparition de 7 objets lumineux sur l'orbite terrestre. Selon des sources non officielles, certaines des photographies obtenues ultérieurement auraient été stockées séparément, et 7 figures de créatures ailées qui ressemblent à des anges bibliques, ils mesuraient environ 20 mètres de haut, a déclaré plus tard John Pratcher, ingénieur du projet Hubble, ajoutant que leurs ailes ont atteint l'envergure d'un avion commercial moderne. Ces créatures, a conclu Pratcher, elles rayonnaient d'une forte lueur, on ne peut pas encore dire ce qu'elles sont ou non, mais elles semblaient vouloir être photographié, c'était juste de l'espace. Est-ce que c'était juste de l'espace paréo d'Oli? Donc, vraiment fascinant. Maintenant, il y a cette vidéo que je vais vous résumer de History et qui va comme suit. Donc, on est dans l'espace, 12 juillet 1984, et on a ces astronautes, les soviétiques, ceux dont on vient de faire la mention. Ils ont envoyé une transmission vraiment bizarre qui sonnait l'alarme. Ils ont envoyé ça à la Terre. Et vous allez voir. Donc, eux déclarent qu'ils ont vu 7 énormes êtres humanoïdes ailés à peu près de 90 pieds de hauteur et avec une lumière vraiment éblouissante, et ils ont vu ça à l'extérieur de la station spatiale. Et elles sont restées là pour 10 minutes. Et après ça, ils ont eu l'impression qu'elles sont complètement disparues à l'horizon. Donc on a Mikio Kaku, tout le monde le connaît, hein, ce fameux auteur japonais. Il dit, je pense que quelque part, il y a une autoroute. Une autoroute qui contient l'âme de millions et de millions d'extraterrestres. Et elles voyagent à travers la galaxie, à la vitesse de la lumière, et en train d'observer les grandeur de l'univers, la beauté de l'univers, ils font ça à la vitesse la plus rapide possible. Et si c'est à côté de nous, est-ce que nous, les humains, on pourrait détecter cette autoroute-là? Non, nous dit Miko. Donc, vraiment intéressant. Même les scientifiques les plus sérieux maintenant se penchent hein, sur... ces possibilités infinies maintenant qu'on a, grâce à la technologie, naturellement, qui vient aider beaucoup. Grâce à l'ouverture aussi d'esprit de ces nouvelles générations de scientifiques, qui, franchement, amène un autre regard sur toute cette question de la vie extraterrestre hein, qu'on n'avait pas avec les anciennes générations de chercheurs qui étaient, naturellement, avec leur perception, avec leurs idées, leurs préceptes, leurs concepts, hein, puis c'était difficile pour eux d'imaginer quoi que ce soit d'autre que ce qu'on voyait ou ce qu'on avait déjà dans la tête. Donc, nous, combien de temps ça va nous prendre avant qu'on puisse découvrir et comprendre comment on peut traverser aussi dans une autre dimension? Donc, jusqu'à présent, nous dit certains chercheurs, d'entrer dans d'autres dimensions, le contact avec d'autres dimensions est
ses premiers balbutiements, mais on voit, on a même parlé de dimension ou d'un autre univers hein, altéré dans l'Antarctique. Je parlais de ça il n'y a pas longtemps. Je pense que j'ai encore l'article. Je ne sais pas si je vais... J'ai un petit problème d'Internet. Laissez-moi voir si je peux ramener... avec cette nouvelle-là qui était vraiment intéressante. Je ne sais pas si je l'ai encore. Bon, oui, je l'ai découvert. Je l'ai retrouvé, c'est-à-dire. Donc, et c'est la nouvelle suivante qui nous disait que les scientifiques pensent avoir découvert un univers parallèle en Antarctique. Avec, je vous en ai parlé de ça, je vous laisserai l'article de ça. Donc, c'est vraiment, vraiment fascinant tout ça. Vraiment, vraiment fascinant. Donc, c'est ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on est capable de... Nous, est-ce quand sera-t-on capable de traverser dans ces autres... On sait qu'il y a d'autres dimensions, d'autres univers parallèles. Donc, on a le rabbin Ariel Bar Tzadok, le fondateur de Kosher Torah School. Qui nous dit... Donc, il nous dit, jusqu'à présent, les contrôles... Mais l'avenir, c'est de ramener le monde ensemble, les univers ensemble. Donc, ce qui ferait que la conscience humaine existerait dans plusieurs dimensions simultanément. Comme nous dit Caroline Corey, l'auteur de The Invisible Words, la seule façon qu'on puisse arriver là, c'est qu'on comprenne les lois de la physique différemment. Si on inclut des nouvelles lois de physique qui combinent le visible et l'invisible. Le physique et le non-physique. Donc, ça va prendre vraiment des gens avec des ouvertures d'esprit incroyables. C'est ça qu'on veut dire aussi. Une approche de interdimensionnelle, multidimensionnelle, de perspective multidimensionnelle et interdimensionnelle. Pas dans une forme linéaire, de perspective linéaire, donc dans laquelle on est depuis trop longtemps, depuis toujours. Donc, c'est vraiment ça qui va nous permettre probablement de sortir de la simplicité dans laquelle on est pour aller dans la complexité. Donc, ce serait l'illumination pour tous. Donc, l'invisible pourra être visible, nous dit le fameux rabbin en question. Donc, pendant que les scientifiques continue de nous révéler les secrets de l'univers? Est-ce qu'ils vont découvrir des évidences irréfutables d'une multitude d'univers parallèles? Et si oui, et ça pourrait peut-être expliquer ce qu'on peut voir dans de multiples écrits anciens, de rencontres complètement inhabituelles, avec des fantômes, entre autres, avec les démons, les anges. On a ça dans une multitude d'écrits de différentes cultures et différentes croyances. Peut-être que la notion d'extraterrestres qui sont venus atterrir sur Terre, c'est une vieille méthode et une vieille façon de le faire. Et que les habilités maintenant des extraterrestres de venir nous voir, ben ça passe plus par ces vaisseaux-là. D'un univers à l'autre, et de communiquer avec les humains, est-il limité? Parce que nos cerveaux sont aussi des entités avec des possibilités illimitées. C'est vraiment fascinant. Et si c'est vrai...
si tout ça est vrai, peut-être qu'on se rendra compte que nos voisins extraterrestres sont beaucoup plus proches qu'on le pense. Vraiment, vraiment fascinant. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Trop, trop hallucinant, fantastique, passionnant. Je vous reviens avec plein d'autres choses. Gardez votre courage parce que vous en avez besoin. Je vous reviens.